Notre chemin de Christ le Père est vraiment ressuscité et ça va faire 172. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Pour nous qui l'avons vaincu la mort. Alléluia, alléluia. Il est la porte de notre vie, le grand berger, notre pasteur. Pour nous qui l'avons donné sa vie, sa voix nous guide pour faire bonheur. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Pour nous qui l'avons vaincu la mort. Alléluia, alléluia. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Jésus a dit dans l'Évangile, « Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura pour le juger la parole que j'ai prononcée. » Pour nos moments de doute ou d'infidélité, reconnaissons devant le Seigneur que nous ne sommes pas dignes, implorons sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous mes frères, je péché en pensée, en parole, en action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi j'ai subi la Vierge Marie, les anges et tous les saints, c'est mes frères. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu es la vie de tes fidèles, la gloire des humbles et le bonheur des justes. Dans ta bienveillance, écoute ceux qui te prient. Ils ont soif des biens que tu promets. Comble-les toujours de l'abondance de ta grâce. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, la parole de Dieu était féconde et se multipliait. Barnabé et Saul, une fois leur service accompli en faveur de Jérusalem, s'en retournèrent à Antioche, en prenant avec eux Jean, surnommé Marc. Or, il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes et des hommes chargés d'enseigner, Barnabé, Siméon, appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaen, compagnon d'enfance d'Hérode le Tétraque, et Saul. Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit, « Mettez à part pour moi Barnabé et Saul, en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir. Eux donc, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là s'embarquèrent pour Chypre. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean-Marc comme auxiliaire. Parole du Seigneur. Que les peuples de Dieu te rendent grâce, qui te rendent
de grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Que son visage s'illumine pour nous. Et ton chemin sera connu sur la terre. Ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qui te rendent grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qui te rendent grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, il peut prendre grâce aux nations. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia, lumière de la nation. Alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'écria, « Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi, je suis la lumière. Je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi je ne le juge pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura pour le juger la parole que j'ai prononcée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Car ce n'est pas de ma propre initiative que j'ai parlé. Le Père lui-même qui m'a envoyé m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer. Et je sais que mon commandement est vie éternelle. Donc, ce que je le déclare comme le Père me l'a dit. Acclamons la parole de Dieu. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Et nous rendons grâce au Seigneur ce matin pour ces merveilles dans notre vie. L'Esprit Saint de Dieu agit en nous et l'Esprit de Dieu est au milieu de nous, au milieu de son Église. C'est à Antioche où les partisans de Jésus ont reçu pour la première fois le nom de chrétien. Chrétien veut dire « nous croyons en Jésus comme le Christ, le Sauveur ». Et à ce moment-là, c'était l'enseignement de la parole de Dieu qui étaient au centre de leur vie. Et dans la première lecture des Actes des Apôtres, on nous citait des noms, comme Barnabé, Siméon, appelé le Noir,
Lysias de Cyrène. Et Cyrène, c'est une ville très ancienne. Et c'était une colonie grecque. Aujourd'hui, cette ville se trouve en Libye. Libye, c'est un pays de l'Afrique du Nord. Et aujourd'hui, qui remplace tous ces gens? C'est vous et moi. Et comment nous nous engageons pour que l'Évangile de Dieu continue d'être annoncé aux gens? Comment je me sens engagé comme baptisé à la suite du Christ pour annoncer son nom au monde entier? Si les disciples, les premiers disciples cachaient la parole, tenaient la parole pour eux, aujourd'hui, vous et moi, nous ne serions pas chrétiens. Alors, c'est notre responsabilité aujourd'hui, sinon notre mission, de nous engager dans la voie de l'Évangile. Jésus l'a dit dans l'Évangile, « Moi, je suis la lumière. Je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où on a l'impression que la parole de Dieu est oubliée. Lorsque j'étais au grand séminaire, en troisième année de théologie, nous avions un prof qui nous disait que les gens oublient l'Évangile tranquillement. Aujourd'hui, nous avons besoin d'être réveillés, mais ça prend des personnes engagées. La foi vient de l'écoute, fides ex audito. Donc, c'est à partir de ce qu'on entend qu'on devient croyant. Mais pour qu'on devienne croyant, ça prend des personnes dévouées dans leur foi qui acceptent d'annoncer la parole de Dieu, mais tout en sachant le plus beau témoignage, la plus belle annonce qu'on peut faire, c'est l'exemple qu'on donne, c'est le témoignage qu'on donne. Au fond, à Jésus, notre vie, au fond, à Jésus, notre Église, au fond, à Jésus, tous ceux et celles qui s'engagent dans l'annonce de l'Évangile, en offrant le pain et le vin qui vont devenir le corps et le sang du Christ, Jésus, il saura nous envoyer son Esprit Saint qui est notre défenseur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vie et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité
accorde-nous de lui être fidèle par toute notre vie. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Le monde ancien est détruit, la création déchue est renouvelée, et dans le Christ, nous est rendu la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, et les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sein du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque, Monseigneur Denis, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, particulièrement sur une personne qui te prie en l'honneur à Saint-Joseph, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint-Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au nom des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi
ce que nous offrons, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Jésus, son service.
l'éternité. La fin du monde dans le Christ est apaisée, le pain qu'il donne est l'univers consacré. La Prions le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple. Nous t'en prions, Seigneur, puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu puisse vous.